Bienvenue à tous pour cette semaine à distance. J'en ai vu quelques-uns qui réagissaient en disant qu'ils n'avaient pas de son. Ben, on n'avait pas prévu de son au début parce qu'on sait qu'il y a un petit tuto qui se déclenche dans Rémo et que si on parle pendant le tuto, vous ne regardez pas le tuto. Alors on a choisi cet ordre-là. Je note que ça n'a pas l'air d'être forcément le meilleur choix puisque ça en inquiète quelques-uns parmi vous. Là maintenant, Ralph me dit que le son est bon. J'espère qu'il en va de même. Pour les autres. Voilà, donc merci d'être là aujourd'hui. Peut-être quelques petits instants pour vous présenter l'interface que vous avez devant vous. En bas, vous avez de quoi lever la main. À droite, vous avez de quoi chatter avec ceux qui sont à votre table ou qui étaient à votre table quand on a démarré, avec une personne en particulier que vous pouvez rechercher ou avec tout le monde, si nécessaire. Vous avez un onglet participant, vous pouvez voir tout le monde. Et donc là, par exemple, on peut vérifier si vous m'entendez. Je voudrais savoir, en vous demandant d'utiliser l'outil qui vous permet de lever la main, c'est qui était à Charleroi avec nous vendredi. Voilà, je vois Christophe, Ralph, Alexandre qui élèvent la main. Très bien. Et quels sont ceux parmi vous qui étaient déjà dans Rémo avec nous vendredi? Oh, il y en a un paquet qui connaissent déjà Rémo, donc c'est bien. Et qui est là, qui n'était pas là du tout vendredi, ni dans Rémo, ni à Charleroi? Très bien. Donc on a les trois situations qui sont là. Et la dernière chose que je vais vous montrer avant qu'on démarre, c'est que ben, il y a un troisième onglet avec Q&A où vous pouvez petit à petit poser vos questions. Et une fois qu'une question apparaît, vous avez le droit de voter dessus. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce système pour pouvoir nourrir le dialogue avec Thierry s'il a un moment où il y aura des questions-réponses. Et puis, sachez aussi qu'il est possible qu'on vous propose, par exemple, si on a l'impression que la question est intéressante, mais qu'on n'est pas sûr de la comprendre convenablement, on aura l'occasion de vous faire monter sur scène. De manière à ce que tout le monde vous entende. Donc là, vous entendez ceux qui sont sur scène, mais ceux qui sont sur scène ne vous entendent pas. Et donc là, Thierry m'entend, il est dans les starting blocks. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de voir sa présentation et je vous assure que je suis ravi de savoir que vous allez pouvoir en profiter aussi. Voilà, Thierry, n'hésite pas à me rejoindre sur scène. Salut. Voilà. Thierry, bienvenue. Je sais que tu es quand même un peu plus habitué que moi à ce genre d'événement, donc c'est bien pour le démarrer. On a quelqu'un qui sait comment la boutique fonctionne. Je te vois faire des réglages. Tu as un petit point lumineux qui te reste en plein milieu du nez. Là. Ça te donne un petit aspect hindou comme ça. Voilà. Ouais, ça fait un peu con de devoir fermer les rideaux Ouais. quand il y a du soleil. C'est Bon. comme ça. Ben, on va dire que c'est toi qui feras le soleil. Et puis voilà. Je te laisse la scène. N'hésite pas s'il y a un souci. Et puis il y a dans les coulisses, vous l'avez peut-être déjà vu à table, il y a Pascal Aiello qui est là. Vous le voyez dans la liste des participants. Si vous vous posez une question technique en tant que participant, vous pouvez chatter avec lui, il fera de son mieux pour vous aider. Voilà, je coupe ma caméra et mon micro et on se rejoint plus tard. Ok, bonjour tout le monde, bienvenue. Bon ben on va démarrer. Hein. Dessous. Voilà. Ok. Bon, en général, oui, je présente en anglais. Là, j'ai fait un très très gros effort. C'est la toute première fois que je vais présenter en français. Ben, soyez un peu indulgents avec moi. Alors, les slides sont en anglais, mais moi je vais faire le doublage. Hein. Voilà. Zou, on est parti. Alors, en gros, je vais vous raconter la petite histoire de 15 équipes et leurs monolithes au sein d'une agence publique fédérale belge.
qui est passé de une release tous les 6 mois vers une release tous les 15 jours en moins de 4 mois de temps. Ouais, c'est assez impressionnant. Chaque équipe consiste d'analystes, de testeurs et de développeurs. Et à côté de ça, il y avait quelques équipes de support transverses comme les architectes, les administrateurs de bases de données, les ingénieurs de build et de release et les ingénieurs d'infrastructure et d'opération. Alors, les 15 équipes travaillaient toutes sur un seul unique monolithe de très très grande taille, vraiment énorme. Le monolithe est vieux de 15 ans, il est écrit en Java, il utilise la technologie EJB et il est installé dans un serveur applicatif JBoss et utilise une seule, unique, grosse base de données Oracle. Et tout ça tourne à l'intérieur du cloud privé des administrations fédérales. Mais enfin bon, hein, ça ressemble en rien à AWS. C'est géré un peu comme si tout cela fonctionnait sur site. Alors, le monolithe est super important pour l'agence, hein. C'est le logiciel principal qui prend en charge toutes les activités, hein, de l'agence. Alors, l'agence, elle avait 3 à 4 releases de planifiées par an, hein, et ces releases étaient super importante. À chaque fois qu'on s'approchait d'une release, il y avait le stress qui augmentait. Tous les développements étaient mis à l'arrêt pendant des semaines, pendant lesquelles on avait des salles remplies d'utilisateurs qui exécutaient des sessions ou des scénarios de tests manuels, hein, pour s'assurer que la fonctionnalité fonctionnait comme prévu et qu'aucune régression avait été introduite. Néanmoins, après chaque release majeur, une série d'hotfix urgents devait être appliquée en production. Alors, en 2017, l'agence a effectué 3 releases majeures. Et comme ça se passe souvent dans les grosses organisations, quand les releases sont difficiles et douloureuses, on a tendance à en faire moins. Et donc, en 2018, il n'y avait que 2 releases majeures. Alors, au sein de l'agence, pas tout le monde était très content avec ces releases majeures, et notamment les experts du domaine sont les gens, les experts métiers, hein, les gens qui se trouvent entre le business et les équipes de développement. Eux, ils voulaient voir les fonctionnalités plus rapidement en production, parce qu'ils voulaient du feedback rapide sur comment ces fonctionnalités étaient utilisées. Et donc, fin 2017, une poignée de personnes se sont mises ensemble pour discuter de la situation, de comment on peut se défaire de ces releases majeures. Et ils ont vite compris que ce ne serait pas tellement facile et qu'ils auraient besoin de la pluie de la direction IT. Maintenant, ils avaient de la chance, la direction IT était assez favorable à l'idée, mais pour donner leur approbation, ils voulaient d'abord un case business. Et donc, ces gens qui voulaient se défaire des releases majeures, ils se sont mis ensemble et ils ont évalué l'effort d'une seule release. Et le résultat était assez surprenant. Donc, ils ont trouvé que le délai entre le code freeze et la mise en production était de 28 jours et que pendant ces 28 jours, 334 jours personnes étaient consommées. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Alors là, le case était fait et le management a donné son approbation immédiatement. Début septembre 2018, l'agence est rentrée en contact avec moi, avec la demande, peux-tu nous aider à réaliser la livraison continue avec des releases tous les 15 jours? Et on aimerait bien que ce soit fait pour la fin de décembre 2018, nous donnant un peu moins de 4 mois pour réaliser ça. Bon, vous pouvez imaginer ma surprise. Dans ma humble carrière, je n'ai jamais vu une organisation aussi large aller aussi rapidement
vers la livraison continue. Par contre, la bonne chose, c'était qu'ils étaient venus chez moi, ce qui me donnait quelque chose à partager, comme maintenant, et qui me donnait une opportunité d'apprentissage phénoménale, parce que ça allait être ma toute première expérience avec 15 équipes. Auparavant, j'avais eu une expérience avec 7 équipes réparties sur la Belgique et l'Inde. J'étais pas totalement heureux avec le résultat, soit. Et avant ça, j'ai principalement travaillé avec des équipes isolées. Donc, j'avais besoin de quelque chose, une structure, un plan qui allait m'aider pour réaliser cette chose. Et je ne voulais pas utiliser les modèles de maturité, comme je l'ai vu utiliser pas mal de fois dans des transformations agiles, parce que les modèles de maturité, ils sont fondamentalement imparfaits, incorrects et bancals, pour les simples raisons qu'ils supposent que l'amélioration et l'apprentissage est linéaire, qu'il est sans contexte et qu'on peut répéter ça entre des équipes et entre des organisations. Ils ont tendance à définir un niveau statique de changement technologique et organisationnel nécessaire à atteindre, et ils se concentrent sur l'obtention d'un état mature fini. Et une fois qu'on est arrivé là, on dit que la chose elle est faite, elle est finie, et donc inévitablement on se retrouve avec des projets de transformation agile qui ont une date de début et une date de fin. On sait tous qu'une transformation numérique, elle n'est en fait jamais finie. Et donc, on a besoin d'autre chose. On a besoin d'adopter un paradigme d'amélioration continue où on se concentre sur l'adoption d'aptitudes et où on se concentre sur un résultat. Et c'est pourquoi que je voulais essayer l'improvement kata, donc le kata d'amélioration. Et à ce même moment, il y avait mon ami Steve Smith qui était en train de terminer son livre, Measuring Continuous Delivery, où il expliquait comment une organisation peut mesurer l'adoption de la livraison continue. Ce qui était intéressant, c'était que Steve, lui aussi, il utilisait l'improvement kata, mais il avait étendu ça avec la théorie des contraintes appliquée sur le process de livraison IT, pour trouver le goulot d'étranglement, donc le bottleneck du process, et donc trouver les expériences qui allaient avoir la plus grande chance de succès. Maintenant, la plupart du temps, quand je propose cette façon de travailler à des prospects ou à des clients potentiels, donc l'utilisation de l'improvement kata, du value stream mapping, prendre des métriques et puis appliquer la théorie des contraintes, la plupart du temps, j'ai juste un silence de l'autre côté. Et je n'entends plus rien de leur part. Une fois, j'ai eu la réaction, oui, mais enfin bon, ça va impacter tout notre process de release. Et là, il y avait un gros silence de mon côté. Qu'est-ce que je vais leur dire? Soit, là, j'avais une énorme chance. Mon contact à l'agence était le coach agile interne, qui avait une grande expérience Kanban et Lean. Et donc, toute cette idée de mener des expériences et de prendre des décisions qui sont fondées sur des données, il aimait ça. Par contre, pendant la mission, j'ai compris que la direction informatique était moins amusée par l'approche, parce que il voulait avoir une roadmap que je ne pouvais pas leur donner, vu que je ne connaissais pas leur contexte. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est créer ce que j'appelle une core team, qui allait guider l'adoption de la livraison continue. Et la raison était toute simple. J'allais aider l'agence moi-même, tout seul. Je n'allais pas arriver là avec une armée de coachs. Et donc, il m'était impossible d'être en contact avec les 15 équipes au continu. Donc, moi, j'allais être en contact avec la core team et la core team allait interagir avec les 15 équipes. Et créer cette core team était assez simple. Donc, le coach agile interne a juste envoyé un mail à toute l'organisation IT en invitant tout le monde qui avait assez de motivation, assez d'intérêt et assez de connaissances à propos du système pour participer dans cette cohorte.
Et donc, on a commencé avec une core team qui consistait de 20 personnes et qui représentait les différents rôles des 15 équipes. Donc, on avait des développeurs, on avait des testeurs, on avait des analystes, et puis on avait aussi un architecte, on avait un ingénieur de build, un ingénieur de release. Par contre, on n'a jamais vu les DBA et on n'a jamais vu les ingénieurs d'opération et d'infrastructure, malheureusement. Pourtant, il y avait quelques problèmes dans ce secteur-là. Alors, investir dans les pratiques qui forment la livraison continue est de très, très grande valeur. Et ça a été confirmé par la recherche académique de Dr. Nicole Forsgren et par le livre Accelerate, qui a été aussi écrit par Dr. Nicole Forsgren et ses amis. Et elle a découvert que la livraison continue va améliorer le process de livraison IT et à son tour, ensemble avec l'adoption du Lean Product Management et avec l'adoption d'une culture organisationnelle dite générative, ben, ça va améliorer les performances de l'organisation. Maintenant, il faut comprendre que la livraison continue est une approche holistique pour atteindre la juste vitesse et la juste stabilité qui est requise pour votre process de livraison IT afin de satisfaire la demande du marché. Et ce n'est pas que la vitesse qui importe, c'est aussi la stabilité. C'est même plus encore la stabilité qui est importante. En fait, on a besoin des deux. On a besoin de la stabilité parce que la stabilité va vous permettre d'améliorer la vitesse. Parce que la stabilité va réduire les retouches, va réduire le fait qu'on doit refaire du travail. Et on a besoin de la vitesse pour améliorer la stabilité parce que la vitesse va nous donner le feedback nécessaire pour améliorer la stabilité. Maintenant, afin d'améliorer cette stabilité et cette vitesse, ben, on va devoir appliquer un nombre large de changements technologiques et organisationnels à votre organisation. Et on va devoir appliquer ça aux circonstances et aux contraintes uniques de votre organisation. Et c'est ça qui rend l'adoption de la livraison continue tellement difficile. Alors, voici une liste des changements technologiques qui sont nécessaires afin d'obtenir la livraison continue. Tous ces changements sont très difficiles à adopter, mais tous ces changements ont une très grande valeur parce que chacun d'eux est un catalyseur à lui seul de la livraison continue. Prenons par exemple la migration des bases de données. En soi, donc c'était un des problèmes que l'agence m'avait mentionné quand ils ont pris contact avec moi. C'était avoir la base de données alignée avec l'application au moment de la mise en production. Bon. En soi, les migrations de bases de données ne sont pas bien compliquées une fois qu'on comprend qu'un schéma de base de données est la somme de nombreux petits changements de schéma qui sont incrémentaux. Mais ici, dans ce cas-ci, le problème était plutôt organisationnel. Les administrateurs de bases de données se trouvaient dans un service différent des 15 équipes, avec une hiérarchie différente. Et donc, ça ajoutait son lot de surcharge de communication. De plus, seuls les administrateurs de bases de données étaient autorisés à maintenir le code des bases de données. Les 15 équipes ne pouvaient pas toucher à ce code. Et donc, de temps en temps, ben, il arrivait qu'un changement de base de données ben, n'était pas appliqué pendant une mise en production. Oups. Et donc, voilà. Là, on a un impact de la stabilité. Bon, ce problème n'a jamais vraiment été résolu pendant ces 4 mois. On a dû attendre une crise quelque part en mars 2019 pour enfin arriver à une meilleure situation. Pas encore optimale, mais meilleure. Alors, ensemble avec cette liste de changements technologiques vient une longue série de changements organisationnels à adopter. Tous ces changements sont encore plus difficiles à adopter, prennent encore plus de temps, mais ils sont encore de plus grande valeur que les changements technologiques. Prenons par exemple l'alignement avec la loi de Conway. Donc, j'ai mentionné là tout à l'heure les migrations de bases de données. Donc, en gros, en fait, le problème,
c'était un non-alignement à la loi de Conway. Du fait que les administrateurs de base de données se trouvaient dans un autre service et avaient une autre hiérarchie, ben, on avait une surcharge de communication. Et donc, ça créait des délais et ça créait un impact sur la stabilité. Donc, une meilleure approche aurait été de ou bien avoir les administrateurs de base de données dans les équipes de développement, ou bien que les administrateurs de base de données se positionnent comme des coachs pour les équipes de développement et que les équipes de développement pouvaient maintenir le code des bases de données. Alors, par où est-ce qu'on commence avec toute cette liste de changements? Est-ce qu'on va commencer avec des changements organisationnels ou est-ce qu'on va commencer avec des changements technologiques? Est-ce qu'on va d'abord améliorer la vitesse ou d'abord améliorer la stabilité? Quel changement est-ce qu'on va appliquer en premier? Quel changement est-ce qu'on va appliquer ensuite? Quel changement fonctionnera dans votre contexte et quel changement ne fonctionnera pas dans votre contexte? Donc, pour avancer dans des conditions incertaines, on a besoin de quelque chose qui va nous aider, qui va nous guider. Et c'est là que rentre l'Improvement Kata en jeu. Donc, l'Improvement Kata est un framework d'amélioration continue qui vous aide à exécuter et à mesurer des changements organisationnels. Donc, il va vous aider à atteindre un objectif dans des conditions incertaines. Il a été décrit par Mike Rother dans son livre Toyota Katas. Alors, le kata se compose de 4 étapes qu'on va répéter en cycle. Et on commence par définir une direction, un objectif qu'on veut atteindre dans un futur très lointain. Et il est possible qu'on n'atteigne jamais cet objectif. Et c'est parfaitement acceptable. Et ensuite, on va itérer vers cette direction en utilisant des objectifs d'amélioration, hein, avec des itérations d'amélioration qui durent une semaine jusqu'à, voire 3 mois. Une fois que la direction est définie, on va analyser la situation actuelle. Quelles sont les données, quel est le process actuel et quelles sont les données qu'on a à propos de ce process actuel. Ensuite, on va se fixer un objectif d'amélioration. Cet objectif aura une date fixe et aura un objectif mesurable, comme un critère d'acceptance. Maintenant, au cours de cette phase de planification, ben, l'équipe ne décide pas de comment elle va atteindre l'objectif d'amélioration. C'est pendant la phase d'exécution que l'équipe va exécuter de nombreuses expériences de changement technologique ou de changement organisationnel en utilisant le cycle PDCA, Plan, Do, Check, Act. Donc, on va planifier une expérience et un résultat attendu. On va exécuter l'expérience et collecter les données. On analyse le résultat et on le compare avec le résultat attendu. En cas de succès, on intègre le nouveau changement dans nos pratiques de base. En cas de non-succès, ben, on écarte le changement et on recommence. Alors, pour l'agence, ben, le kata il ressemblait comme ceci. Alors, l'agence avait compris que pour répondre à la demande des experts métiers, elle devait adopter des releases bimensuelles. Donc, afin d'obtenir la livraison continue, elle devait passer de 2 releases par an vers une release toutes les 2 semaines. Donc, la direction était très claire. Il y aura une dernière release majeure fin décembre, et à partir de ce moment-là, il y aura une release tous les 15 jours. Pour analyser l'état actuel, nous allions exécuter un workshop de value stream mapping pour mapper la value stream dite technologique, c'est-à-dire toutes les étapes qui sont exécutées entre comité du code dans le système de versionning de code et déployer l'application en production. Alors, pour le value stream mapping, nous allions utiliser des post-it et on allait faire ça en groupe. Donc, tout le monde qui était impliqué dans le process de release était présent dans la salle. Alors, l'avantage d'utiliser des post-it, c'est qu'ils sont plus rapides, plus fluides par rapport à utiliser un dessin. On sait les réarranger plus facilement, on peut les déplacer facilement et donc on sait facilement itérer sur la value stream map.
Lorsqu'on fait ça en groupe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça commence en désordre. Et puis, ça devient plus désordonné. Et puis, finalement, ça se termine en gros bordel. Mais à fur et à mesure qu'on itère sur la value stream map, eh bien, on construit sur les connaissances des autres. Rappelez-vous que votre organisation est un système complexe et adaptif dans lequel chaque individu ne dispose que d'une quantité limitée d'informations. Personne n'a une vue totale sur le process end-to-end de livraison totale. Et donc, il est intéressant d'avoir tout le monde dans la salle parce que du coup, on sait construire sur les connaissances que chacun a. Finalement, on obtient une value stream map qui intègre les connaissances de tout le monde et on termine avec un process end-to-end de la release. Et ça nous a donné ce value stream map pour la release majeure qui dure 6 mois, à partir du premier commit dans le système de versionning jusqu'à la production. Donc, on commence avec 5 mois durant lesquels on crée un inventaire de fonctionnalités. Puis, on a 3 semaines de code freeze pendant lesquelles on a des salles remplies d'utilisateurs qui exécutent des scénarios de test. C'est à ce moment-là que commence aussi la consommation des 334 jours personnes. C'est aussi à ce moment-là que on commence à se rendre compte que la qualité est actuellement importante. Ensuite, on a 1 semaine de mise en production et puis ben, on finit forcément avec du champagne. Hein, on vient de passer 6 mois pour mettre quelque chose en production, autant fêter ça. Mais l'exercice a aussi révélé un deuxième value stream, un process de patch beaucoup plus rapide qui était conçu pour appliquer des corrections en production et qui se produisait tous les 15 jours, mais qui était également utilisé occasionnellement et de plus en plus fréquemment pour mettre des nouvelles fonctionnalités en production. Oh. Bon, c'est un anti-pattern qui est assez courant au sein de pas mal d'organisations. Quand le coût de mettre une fonctionnalité en production est trop élevé, ben souvent il y a un process réduit, tronqué, qui émerge pour appliquer des corrections en production. Et ce qui donne lieu à l'anti-pattern dual value streams. On a une value stream de fonctionnalité avec un délai de plusieurs mois et une value stream pour les corrections avec un délai de plusieurs semaines. Bon, bien qu'il s'agisse d'un anti-pattern, ceci était vraiment la clé du succès de cette adoption de livraison continue. Donc, ce process batch révélait le potentiel que l'agence avait pour adopter la livraison continue. Et à partir de ce moment-là, on s'est uniquement concentré sur ce process patch et on n'a plus jamais regardé le process des releases majeures. Certaines personnes étaient confuses par ce choix. Elles ont essayé de me reconcentrer sur les releases majeures en se posant la question, oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas juste de réduire le délai de la release majeure? Sur quoi je leur ai expliqué, écoutez, vous le faites déjà, vous faites déjà des releases tous les 15 jours, mais vous le faites sous le radar. Là, ce qu'on va faire, c'est rendre ce process très, très visible et nettement plus robuste pour qu'on puisse remplacer la release majeure et aussi pour rassurer la direction informatique. Alors, prochaine étape, définition de l'objectif d'amélioration. Pour définir cet objectif d'amélioration, nous allions appliquer la théorie des contraintes sur le process des patchs. Alors, la théorie des contraintes est un paradigme de gestion qui a été introduit par Eliyahu Goldratt en 1984 avec son livre De Gaulle. Et le principe central de la théorie des contraintes, c'est que tout système a un goulot d'étranglement, un bottleneck. Alors, essayer d'optimiser n'importe quoi d'autre que le bottleneck est une illusion. Donc, si on a un système qui se compose des étapes A, B et C, et que B est votre bottleneck, perdre une heure sur B est une heure de perdu pour tout le système. Et gagner une heure sur A ou sur C est un mirage. Parce que si on augmente le débit de A, ben forcément, ça va augmenter les stocks devant B. Et si on augmente le débit de C, forcément, ben ça va augmenter le manque de travail pour C.
Maintenant, on peut appliquer la théorie des contraintes sur un value stream technologique, car c'est un process qui devrait être très homogène, où chaque étape devrait être très déterministe, comme c'est le cas pour les lignes de production dans les usines. Et en appliquant la théorie des contraintes sur le process des releases, ben, on va être en mesure de trouver le bottleneck et donc aussi de trouver les expériences les plus susceptibles de réussir. Alors, où est-ce qu'il était le bottleneck? Alors, pour trouver le bottleneck, j'ai demandé à tout le monde dans la salle de prendre un post-it vert et d'essayer d'estimer pour chaque activité la durée de cette activité. Et ensuite, de prendre un post-it rouge et d'essayer d'estimer pour chaque activité quel est son taux d'échec. Et étonnamment, on a découvert que le bottleneck, ben, ce n'était pas les tests de régression manuelle, ni les tests manuels en pré-production. Non, non. C'était les tests automatisés. Mais attends, ces tests automatisés, ils ne prennent que 4 heures, et les tests manuels, ils durent 4 heures à 8 heures. Oui, mais le taux d'échec des tests automatisés était très très élevé, ce qui amenait son lot de retouches et donc de devoir refaire des choses et de devoir réexécuter les tests automatisés. De plus, chaque voie sur cette value stream map représente une branche dans le système de versionning du code. Et donc, à chaque merge de cette branche, on devait réexécuter tous les tests automatisés. Donc, tout ça se rajoute au délai de livraison. Alors, jusqu'à présent, chaque équipe gérait ses propres tests et décidait au cas par cas s'il fallait exécuter les tests automatisés ou pas. Et donc, de ce fait, personne n'avait une vue totale sur tous les tests qui existaient pour le monolithe, et encore moins sur la stabilité de ces tests. Donc, afin d'accroître la visibilité, j'ai suggéré comme première expérience, ben, écoutez, on va créer une pipeline de déploiement. Donc, la pipeline de déploiement est un pattern de la livraison continue, et elle rend visible et elle automatise tout le process de sortir le code du système de versionning et déployer ce code en production et l'avoir dans les mains des utilisateurs. Et l'objectif est de rendre tout ce process très visible à tous les membres de l'organisation. Et du coup, ça va améliorer le feedback et ça va améliorer la responsabilité des équipes. Donc, désormais, à chaque changement, tous les tests automatisés allaient être exécutés à la place de la situation où les tests étaient exécutés au cas par cas. J'avais également suggéré de collecter quelques métriques de cette pipeline de déploiement, notamment donc le lead time, hein, le temps, le délai entre comité dans le système de versionning et l'exécution de tous les tests et le taux d'échec. Et ça nous a appris que le lead time, ben, il était de 8 heures et que le taux d'échec était de 70%. Waouh, ça c'était plutôt. Hein. Alors, les raisons pour ce taux d'échec très élevé étaient assez divers. Bon, premier problème, c'était que le code des tests automatisés se trouvait dans un repo Git différent du repo du code de l'application. Et donc, il y avait une désynchronisation entre les tests automatisés et le code de l'application. Le concept que un test qui échoue, ben, échoue la release candidate était nouveau pour l'organisation. Jusqu'à présent, l'organisation appliquait le concept d'analyser des tests échoués. Et donc, quand un test échoue, ben, on analyse quelle était la raison pour laquelle le test échouait. Est-ce que c'était à cause d'un changement récent ou pas? Si ce n'était pas à cause d'un changement récent, on acceptait le test échoué et donc on acceptait la release candidate. Les données de test dans la base de données n'étaient pas nettoyées après chaque exécution des tests automatisés. De plus, tests manuels et tests automatisés utilisés
plus ou moins les mêmes tests, les mêmes données de tests. Et dernièrement, beaucoup de tests dépendaient de services tierces. Et quand ces services tierces n'étaient pas disponibles, ben, les tests échouaient. Donc, ça nous menait à cette situation actuelle dans l'improvement kata. On avait deux value streams, la value stream de fonctionnalité et la value stream de patch. Et le lead time de la value stream de patch était de 8 heures et son taux d'échec était de 70%. Alors, la core team a décidé que son premier objectif d'amélioration serait une amélioration de stabilité. Et il s'était convenu de réduire le taux d'échec de 70% vers 30% en un mois de temps. Vu le lead time de 8 heures, ben, l'agence ne pouvait exécuter la pipeline qu'une fois par jour. Et donc, la core team acceptait que deux exécutions sur cinq allaient échouer pendant une semaine. Donc, ça, c'était l'objectif. Et ensuite, la core team a défini des expériences qu'elle voulait mener. Première expérience, c'était bon, la création d'une pipeline de déploiement. Ça, c'était fait. Check. Ensuite, elle voulait introduire l'évaluation journalière des tests échoués pour faire quelque chose à propos de ces tests. Elle voulait créer un environnement dédié pour les tests automatisés. Elle voulait que la base de données, donc le schéma de la base de données, soit recréé à chaque fois avant d'exécuter les tests automatisés. Elle voulait aussi simuler les services tierces pour que les tests dépendent moins des services tierces. Et elle voulait collecter automatiquement les métriques lead time et taux d'échec de la pipeline de déploiement pour permettre la création de tableaux de bord avec l'évolution de la lead time et le taux d'échec. Alors ça, c'était pour le plan. Forcément, l'exécution s'est déroulée un peu différemment. Et ce n'est que par après, 6 mois plus tard, que je me suis réalisé et que j'ai compris que ce fut au fait un exemple de Fear Conversations, les conversations des craintes. Et c'est Douglas Squirrel et Jeffrey Fredericks qui m'ont fait comprendre ça durant la conférence GitCon qui avait lieu à Gand 6 mois plus tard, qui est ma ville natale. Ces conversations nous ont aidés de mitiger les craintes qui existaient au sein des équipes et à naviguer les conversations difficiles qu'on devait avoir afin d'améliorer la situation. Petite note, donc Squirrel et Jeffrey ont actuellement décrit les Fear Conversations dans un livre Agile Conversations qui vient de sortir en mai de cette année, où ils décrivent 5 types de conversations qu'une organisation devrait avoir ou qu'une équipe devrait avoir afin de devenir une organisation, une équipe performante. Alors, la première crainte était celle de la complexité. Alors, quand j'ai commencé à la mi-décembre avec l'agence, ben, l'agence était en plein milieu de son prochain cycle de release majeur qui avait démarré en juin. Donc, elle a eu 2 mois et demi le temps d'implémenter des nouvelles fonctionnalités et de créer un certain nombre de fonctionnalités planifiées pour la prochaine release majeure en décembre. Naïvement, j'avais espéré qu'il y aurait un moyen de graduellement et incrémentellement de bouger ces fonctionnalités prévues pour la prochaine release majeure vers les release patch qui existaient déjà. La raison était toute simple. Bon, je ne me sentais pas franchement à l'aise qu'il y aurait un changement radical à la fin décembre, donc un gros Big Bang où on allait passer d'une release majeure vers des releases tous les 15 jours. Ça me mettait mal à l'aise. J'avais des craintes que c'était en fait un très gros risque. Donc, je voulais réduire ce risque en faisant en sorte que graduellement, on allait bouger des fonctionnalités vers la release patch existante. Bon, il m'a fallu un certain temps pour comprendre que ce n'était pas possible. Je me rappelle de ce fameux workshop
où j'ai passé toute une journée à dessiner sur un tableau pour essayer de comprendre. Et donc, le problème était que l'agence avait adopté une stratégie de branche dans le système de versionning de code assez complexe. Donc, c'était une stratégie qui ressemblait à GitFlow. Donc, il y avait la branche d'intégration dite develop de longue durée, et il y avait la branche principale qu'on appelle communément master de semi-longue durée. Et les équipes utilisaient soit des feature branches, soit des team branches, soit une combinaison de feature branches ou team branches, ou elles committaient directement dans la branche d'intégration develop. Et toutes ces branches, ben, elles duraient plusieurs semaines, voire des mois. Alors, tous les 15 jours, quand une release patch s'effectuait, on allait sélectionner les corrections et les fonctionnalités planifiées de la branche d'intégration develop et les intégrer dans la branche principale master. Et alors, on faisait un déploiement à partir de la branche principale. Alors, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'au fur et à mesure qu'il y avait plus de release patch, ben, la branche principale déviait de plus en plus de la branche d'intégration. Et donc, une fois arrivé à une release majeure, il était impossible d'intégrer la branche d'intégration develop dans la branche principale master. Et donc, qu'est-ce que l'agence faisait? Ben, elle déployait à partir de la branche develop. Et elle effaçait la branche principale et recréait une branche principale à partir de la branche d'intégration develop. Donc, avec un gros soupir, on a accepté de mitiger cette complexité parce qu'il était impossible de bouger les fonctionnalités planifiées pour la prochaine release majeure vers cette release patch. Et donc, on a mitigé cette complexité en gardant cette dernière release à la fin décembre comme prévu. Alors avec le recul, je dois admettre que le risque n'était pas tellement élevé que ça, parce que avec chaque amélioration qu'on proposait, ben, elle était immédiatement implémentée dans le process de patch existant. Et donc ces améliorations étaient testées nombreuses fois et exécutées nombreuses fois avant qu'on allait faire le switch entre la release majeure et les releases toutes les 15 jours. Alors, de plus, on avait aussi décidé qu'à partir de janvier, on allait introduire la stratégie de branche GitFlow comme il fallait. Bon, bien que je ne suis pas un grand fan des branches, mais vu le contexte, cela avait du sens. Et j'avais aussi suggéré de travailler sur la réduction de la durée de ces branches, hein, réduire vers une demi-journée. Le plus que possible, pour que après 6 mois, il pourrait évoluer vers GitUpflow, qui est une stratégie de branche nettement moins complexe et plus saine. Et éventuellement, une fois qu'ils arriveraient à une durée de branche de quelques heures, ils pourraient éventuellement penser à passer au trunk-based development. Alors, entre-temps, le lead time de la pipeline de déploiement s'est réduit de 8 heures vers 15 heures, vers 4 heures. Ce qui a permis d'exécuter la pipeline 2 fois par jour et donc ce qui était une augmentation de feedback de 100%, imaginez. Le nombre de tests exécutés augmentait, pas parce que les équipes étaient frénétiquement en train d'écrire des nouveaux tests, non, 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 juste parce que les équipes découvraient qu'il y avait des tests qui manquaient dans la pipeline de déploiement. Oh, regardez, on a trouvé encore 100 tests là qui manquent dans la pipeline. Allez, où on les rajoute. Par contre, la stabilité de la pipeline ne s'améliorait pas. On a dû attendre quelque part la fin novembre. Donc là, on est à 1 mois de faire le switch entre les deux releases. Donc on a dû attendre la fin novembre avant que la pipeline soit verte pour la première fois et que tous les tests étaient verts. Et ensuite, la pipeline était rouge pour encore une fois 2 semaines. La seconde crainte était celle des deadlines. Faisant partie du gouvernement, ben, l'agence avait des deadlines légaux. Et rater une deadline n'était juste pas une option.
Comment allait-elle atteindre ses objectifs assez difficiles, sachant qu'un seul test échoué pouvait bloquer une release? Et compte tenu de la stabilité des tests automatisés, ben, la direction informatique n'était pas trop rassurée. Moi-même, je n'étais non plus pas. Pour mitiger cette crainte, la core team a décidé d'introduire l'overhaul manuel de la pipeline. Malgré une pipeline rouge, proche d'une deadline, les équipes pouvaient décider de choisir d'accepter une release candidate et de la déployer en production en prévoyant suffisamment de tests manuels pour mitiger les risques. Bon, personnellement, j'étais pas trop heureux avec cette décision parce que je craignais que ça allait enlever la pression d'actuellement améliorer la stabilité des tests. Et cette crainte a été confirmée, parce que 6 mois plus tard, en août 2019, l'agence avait toujours du mal à obtenir une pipeline stable. D'un autre côté, ça avait l'avantage qu'on allait rendre ces overhauls manuels, qui se passaient dans le passé, mais que personne n'était au courant, ben on allait rendre cela très visible. Et on allait aussi rendre visibles tous les problèmes qui venaient avec ces overhaul manuel. La dernière crainte était celle des bugs. C'était la plus grande préoccupation de la direction informatique. Un problème suffisamment grave allait apporter ou allait publier l'agence à la une de tous les journaux belges et porterait atteinte à sa réputation. Bon, encore une fois, vu l'état des tests, c'était une crainte bien fondée. Pas mal de tests étaient peu fiables et non déterministes. Réexécuter un test en isolation, ben souvent, le faisait passer au vert. Pour bon, moi, j'avais suggéré de, bon, ben, écoutez, effacer tous ces tests, ils ont peu de valeur. Ça n'a pas trop fait rire la core team, par contre. Bon. Vu par après, je dois avouer que la core team est venue avec une meilleure solution. L'expert qualité a suggéré de diviser les tests en 2 lots de tests. Un lot de tests stable, qui est exécuté qui est tout le temps exécuté. Et quand un test échoue, ben, elle bloque une release candidate. Et puis un lot de tests instable, mis en quarantaine, qui n'est exécuté qu'une fois par jour, la nuit. Et quand un test échoue, ben, elle ne bloquera jamais une release candidate. Curieusement, ça avait pour effet que ça a réduit la lead time de 4 heures vers 2 heures. Tout à coup, l'agence pouvait exécuter la pipeline 4 fois par jour. Imaginez l'accélération de feedback que ça a créé. Finalement, on est arrivé à la fin décembre et la dernière release majeure a eu lieu comme prévu. Sans problème majeur, ce qui a rassuré la direction informatique de poursuivre le plan. La première release bimensuelle était prévue pour la troisième semaine de janvier. Tout le monde a retenu son souffle et s'attendait à une tempête de problèmes. Et ben, la première release s'est passée sans problème du tout. Ouah, il y avait des petits problèmes mineurs qui ont permis d'améliorer la release, le process de release, mais il n'y avait rien de bien problématique. Et à partir de ce moment, une release est sortie tous les 15 jours, comme une horloge. Et ça ne s'est jamais arrêté. Et lors de ma première visite, après cette première release bimensuelle, ben, j'ai vu des sourires partout. Tout le monde était super excité. Personne n'avait imaginé qu'un tel changement, serait possible au sein de cette organisation. Mais est-ce qu'on peut considérer des releases bimensuelles comme étant de la livraison continue? La livraison continue a un seuil de réussite dynamique qui dépend des demandes du marché et des besoins du business. Donc, une organisation est dite en mode de livraison continue lorsque ses services informatiques ont la stabilité et la vitesse requis pour satisfaire la demande du marché. Et ici,
Les experts métiers, les experts du domaine étaient demandants de réduire le délai de livraison. Et avec les releases bimensuelles, ben, cette demande des experts était satisfaite. Donc on peut dire que l'agence avait adopté la livraison continue. Par contre, j'ai réalisé qu'il était possible d'obtenir la livraison continue sans jamais atteindre auparavant l'intégration continue. Et ça, c'était un gros choc. Parce que communément, ben, il est accepté que l'intégration continue est un prérequis pour la livraison continue. Donc l'intégration continue a par contre un seuil de réussite statique. Donc on dit qu'une organisation est dans un mode d'intégration continue quand chaque membre de l'équipe commit au moins une fois par jour dans la branche principale et que chaque commit déclenche un build automatique et déclenche l'exécution des tests automatisés. Et que si le build échoue ou si un test échoue, ben, c'est corrigé en ayant les 10 minutes. Bon. Il est évident qu'avec les mesures, les métriques qu'on avait, ben, que l'agence n'était pas en mode d'intégration continue et qu'elle n'a jamais atteint ce mode d'intégration continue. Est-ce une bonne chose? Ben non, c'est pas une bonne chose. Sans l'intégration continue, vous ne serez jamais en mesure de maintenir une livraison continue sur le long terme. Les risques de retard, de livraison et de problèmes et de défaillances en production seront très, très, très élevés et plus élevés que ce que les gens des équipes, les membres des équipes seront capables de supporter. Et ce qui entraînera inévitablement un gros risque de stress, de fatigue et d'épuisement. Alors souvent pendant cette mission, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Ça avançait trop lentement, à mon goût. On n'expérimentait pas assez avec les changements nécessaires. La pipeline ne devenait pas plus stable. Je me suis souvent senti tout, tout, tout petit, très insignifiant et par moments très épuisé. J'avais juste l'impression que ça allait nulle part. Et puis tout à coup, ça se fait. Sans s'y attendre, c'est arrivé. Et les principales raisons pour lesquelles cela a fonctionné, ben, c'était que la Core Team était une équipe de gens super motivés, très enthousiastes, qui absolument voulaient arriver à réaliser ceci. Le coach agile interne a fait un gros travail de créer un environnement sûr. La Core Team a énormément communiqué au sein de l'organisation informatique sur ce qui allait changer, sur ce qui était en train d'arriver. Et puis, ben, le délai très court, hein, le moins de 4 mois pour réaliser ça, a créé un sentiment d'urgence. Et finalement, et ça c'était quand même pas anodin, la Core Team a mis l'inertie de l'organisation à son avantage. Elle décidait et agissait nettement plus rapidement que l'opposition. Alors, le meilleur résultat pour l'agence a été la création de transparence. La pipeline de déploiement a rendu visible tous les problèmes que tout le monde connaissait auparavant, mais du coup, c'était visible. On les voyait, on en discutait. Et une fois que les tableaux de bord étaient mis en place sur l'évolution du lead time et du taux d'échec, ben, la direction informatique a commencé à montrer son intérêt. Et cela a débloqué des nouveaux fonds pour encadrer les équipes avec plus de coaching technique. Alors, toute cette mission, au total, n'a pris que 12 jours de mon temps. 2 jours de kick-off pour la mise en place de l'improvement kata, pour le value stream mapping et pour faire et appliquer la théorie des contraintes. Et ensuite, il y a eu un suivi d'un jour par semaine de ma part. Et mon rôle était un rôle de guider et d'enseigner les principes et les concepts de la livraison continue. Le gros du travail a été fait par l'agence elle-même. C'est-à-dire tout le travail d'amélioration et toutes les implémentations ont été faites par l'agence. Voilà.
Merci pour votre attention. Merci Thierry. C'est dommage, on n'a pas eu le temps de bien voir ta dernière slide. Tu sais que je l'aime beaucoup, celle qui parle du syndrome de l'imposteur et du fait que tu aimes bien le chocolat noir. Ça nous fait deux points communs. Merci pour ça. Je vois que personne pour l'instant n'a mis de questions dans le système de questions-réponses. Ça veut sans doute dire que c'était très clair, Thierry. Ou que les gens étaient absorbés suffisamment pour ne pas penser à poser leurs questions. Donc là, on a deux modes de fonctionnement possibles s'il y a des questions. Soit vous prenez le temps de les écrire, mais je dirais à ce stade-ci, c'est un peu dommage. Soit quelqu'un qui aurait une question à poser à Thierry lève la main et je lui proposerai de poser sa question devant tout le monde. Au moins, on sera sûr que tout le monde entend la question avec l'intention de départ. Donc, est-ce que quelqu'un a une question à poser à Thierry? Alors, peut-être pour laisser chercher, moi, il y a une phrase que j'ai notée à un moment donné. Donc, je n'ai pas une question à poser, c'est juste une constatation. À un moment donné, Thierry, tu as dit, et ça datait de mars 2019, non, pas de mars 2020, c'était de mars 2019, tu as dit « on a dû attendre une crise pour améliorer les choses ». C'est bizarre, moi ça me fait plutôt penser à mars 2020 comme phrase. Est-ce que quelqu'un a une question entre-temps? Je ne sais pas si vous avez remarqué sur la première slide de Thierry où il explique que Il est timide, donc allez-y, hein, vous voyez bien que même en étant timide, vous pouvez monter sur scène et poser vos questions. Ah, je vois que quelque chose apparaît dans le Q&A. Il y a Ralph qui dit « peut-on en dire plus sur la cortine ?» Je ne sais pas si cette formulation est suffisamment claire pour toi, Thierry, ou s'il vaudrait mieux que Ralph explique un peu plus ce qu'il sous-entend. Et je vois qu'il y a Mohamed qui a levé la main aussi. Qu'est-ce que... Alors Ralph, qu'est-ce que tu sous-entends de... Peux-tu en dire plus sur la cortine? Moi, je n'ai pas cru remarquer de ce que je peux... avoir déjà observé que Ralph est particulièrement timide, donc je propose Ralph que... Ouais. Non, je connais Ralph, on se connaît depuis presque... En fait, Ralph, il connaît tout le monde, hein. Chaque fois que je vois Ralph avec quelqu'un, il le connaît depuis longtemps. Ralph, est-ce que tu peux... En tout cas, pour moi, ta question n'est pas suffisamment claire pour savoir ce que ça voudrait dire. Donc, j'explique aux autres comment fonctionne le système. Là, je vais autoriser Ralph à prendre le micro. Il va recevoir un pop-up lui disant qu'à partir de maintenant, il peut prendre le micro. Ça ne veut pas dire qu'il est automatiquement sur scène. Il va devoir allumer sa caméra et son micro. Vous comprendrez dans quelques minutes pourquoi je vous parle de ça. Ralph, c'est quand tu veux. Bon, Eric, je dois absolument aller chercher mon chargeur. Je me rends compte que j'ai oublié mon chargeur. Je reviens dans... C'est très bien, je sais comment, une minute. Comment je vais meubler. C'est parfait, vas-y. Vas-y, Ralph est déjà là, mais Ralph, s'il te plaît, on n'est pas sûr que Thierry t'entende, donc ne pose pas tout de suite ta question. Et moi, ce que j'aurais à vous demander, puisque vous savez que Studio Agile, c'est une version expérimentale de la journée Agile, j'ai trois sessions dont j'aurais envie de vous parler aujourd'hui suite à ce que Thierry a dit. Enfin, il y en a deux qui font suite à ce que Thierry a dit. Il y a une session qui arrivera, si je me souviens bien, mercredi matin, qui s'appelle « Et si on arrêtait de mettre en production avec des disquettes ?» On aura un côté un peu plus pratique sur maintenant que Thierry a donné un peu d'espoir, parce qu'on ne sait pas très bien par où commencer, ça pourrait être une manière. Et puis, à un moment donné, il a aussi expliqué que ce n'est pas toujours simple d'isoler des certificats. Voilà. Donc, jeudi matin, il y aura un sujet sur l'architecture agile où Thomas Thierry donne un bon point de départ sur comment on pourrait y arriver.
Et donc, le troisième dont je voudrais vous parler, le troisième point dont je voudrais vous parler, c'est que en fin de journée, on va avoir une présentation sur comment mener des conversations en mode agile. Et mes trois collègues de Pixy, un Canadien, un Français et un Suisse qui seront là ce soir pour animer ça, m'ont demandé s'il était possible de donner le droit à tout le monde de monter sur scène quand il voulait. Ça vous donne une idée de ce qui va se passer ce soir. Et donc, après la session avec Thierry, quand on aura fini, je voudrais demander à tout le monde d'attendre encore quelques minutes pour que je puisse valider et pour que vous puissiez m'aider et participer à l'organisation de Studio Agile et de valider s'il est possible de donner à tout le monde le droit de monter sur scène, même si on sait qu'il y a une limitation et que Rémo n'autorise pas plus de 6 personnes à être sur scène en même temps. Donc voilà, j'aurais besoin de ce petit point-là. Ça laisse à Thierry le temps de brancher son chargeur et de laisser maintenant le temps à Ralph d'exprimer sa question. Voilà. Oui, donc c'est par rapport à ce que tu as dit en fait, grosso modo, sur le projet. Tu m'entends d'abord? Ok. Donc tu as Oui, bossé je dessus t'entends. pendant 12 jours sur les 4 mois ou la période du temps en fait du projet, c'est ce que tu as dit, hein, ce que j'ai compris. Et le premier point que tu as dit, c'est qu'il y a une core team qui a été créée parce que pour avoir le buy-in en interne, ça demande pas mal de côté de ressources, de négociations en fait, de facilitation en fait au niveau des coachs. Et c'est cette partie-là en fait qui m'intéresse en fait. Parce que bon, une fois que tu mets en place, tu as les KPI qui sont mis, etc. Et donc la définition d'équipe, tu as les workshops avec les post-it. Ça c'est vraiment les décisions. Mais comment s'est fait en fait le buy-in en fait des équipes? Parce que c'est pas magique, hein. Ça n'a pas été facile de ce que j'ai compris. Bon, forcément, quand tu es là un jour par semaine, tout ça, tu ne le vois pas. Tu es fort externe à ce moment-là. Hein. Enfin, c'est un côté positif. Mais oui, tu arrives et t'écoutes ce qui te disent. Et puis, bon, ben, tu réagis sur le show. Mais de ce que j'ai compris, ça n'a pas été facile. Surtout que oh, la direction voulait bien, mais alors dans les actions de la direction, tu sentais bien. Enfin, c'était comme ça, oui, mais le buy-in est surtout venu à fur et à mesure qu'il s'approchait de la deadline de fin décembre. Ben, c'est pas simple du fait que pas un message très clair de la direction IT. Ça manquait de hey, bon, moi j'ai fait cet improvement kata avec cette direction et le but de cet exercice est au fait d'aligner tout le monde sur cette même direction. Mais bon, forcément, ça aide si tu as une direction informatique qui chapeaute tout ça et qui communique. Cette direction de dire, ben, écoutez, ça c'est l'objectif. Et maintenant, on veut que tout le monde travaille dans cet objectif. Okay. Sur le bain du top, enfin, du top down, en fait, hein, d'abord. Finalement, c'est venu bottom-up. Hein. C'est venu bottom-up du fait qu'ils ont estimé le coût d'une release majeure, que ça a ouvert les yeux de la direction IT, ah oui, quand même, ça coûte tellement cher. Et donc, c'est là qu'il y a eu une approbation, ce qui était bien. Et puis, alors, ensuite, tu sens que la direction IT est oui, bof, oui, quand même, pas, oui, quand même. Allez, zou, on y va quand même. Ok, merci. Alors, toujours histoire de vous préparer à la session de cet après-midi. Pour quitter la scène pour quelqu'un à qui
à qui j'ai donné le micro, ben, il suffit de couper la caméra et le micro, Ralph, et Attends, je vais voir comment ça marche. voilà, tu as ta caméra et ton micro qui sont en vert en bas de ton écran. Il suffit de cliquer dessus pour qu'ils redeviennent rouges. Voilà, la caméra est coupée et le micro est coupé. Très bien. Alors, nous avons d'une part Mohamed qui lève la main et d'autre part une question de Christophe à propos de l'intégration continue. Je me souviens que Mohamed avait déjà levé la main tout à l'heure, donc je propose à Mohamed de venir sur scène. Voilà, Mohamed, tu peux accepter mon invitation et venir poser ta question en allumant ta caméra et ton micro. Bonjour. Bonjour, bonjour. Matrix. Désolé pour la caméra, ça ne fonctionne pas chez moi, donc j'ai mis quand même ma photo pour être un petit peu disponible pour Pas de elle. souci. Donc, ma question, je vois que aussi que la question qui a été posée, c'est en relation avec ma question aussi. Donc, j'ai entendu parler de la continuous delivery et que l'une de ces conditions, c'est la continuous integration. Donc, est-ce que ce principe-là peut être déjà appliqué dans tout team de développement, quels que soient les outils, ou bien il y a certaines contraintes préalables pour que ça soit réussi. Et ça, c'est ma question. Et deuxième point, juste une petite demande. Votre présentation, j'ai bien aimé. Et il y a pas mal d'informations. Moi, je suis nouveau récemment, une année dans ce domaine, et j'ai pas eu le temps de lire beaucoup, mais j'ai retenu pas mal d'informations. Est-ce qu'il y a une note qui va faire des références à des bouquins qui ont été cités ou des écrivains qui ont été cités. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour les références, moi j'ai l'habitude de mettre des références à la fin de mes slides, mais ça c'est surtout des références qui m'ont aidé pour faire cette présentation et pour faire cette mission. Donc ça c'est une liste des références. Les slides sont publiés en ligne, hein, donc vous trouverez ces références. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est le livre Continuous Delivery de Jess Humble et de Dave Farley. Je peux vraiment vous le conseiller. Entre-temps, ça fait 10 ans qu'il a été publié. Ils sont en train de fêter les 10 ans actuellement. Il y a Dave Farley qui a commencé avec une chaîne YouTube sur le Continuous Delivery. Et bon, il couvre aussi le Continuous Integration. Je peux vous le conseiller. Et puis, il y a le livre Accelerate, qui est quand même aussi très intéressant parce que ça couvre toute la recherche qui a été faite. 50 recherches sur toute la livraison. Ça a confirmé tout ce que dans le monde agile, on se doutait. Et eux, ils ont confirmé tout ce qu'on pensait qui était réel. Ben, voilà, ça a été confirmé. Alors, pour le critère de succès de l'intégration continue, oui, toute équipe peut commencer avec l'intégration continue. Est-ce que ça va être facile? Non, ça ne va pas être facile. Alors, le critère de succès, il est assez simple, hein, finalement, c'est Jess Humble qui l'a défini. C'est tout le monde dans l'équipe commit au moins une fois par jour vers la branche principale. Donc ça peut être trunk pour Subversion, ce sera master pour Git, ou ce sera la branche par défaut pour Mercurial. Ensuite, chaque commit va déclencher un build automatisé et l'exécution de tous les tests automatisés. Et si un build échoue, ou si les tests échouent, on est capable de les corriger en ayant les 10 minutes. La façon la plus simple de corriger un build échoué, c'est juste d'annuler le dernier changement. Oui, je sais, ça fait mal, mais au moins ça débloque toute l'équipe. Parce que ça vous donne le temps alors d'investiguer, bon, pourquoi est-ce que ça a échoué, etc., etc. Mais le reste de l'équipe peut continuer à committer. Maintenant, de ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui est en fait très important, c'est le design de votre logiciel, l'architecture de votre logiciel. Il doit être découplé. Ça va vous permettre de faire des changements très isolés une fois que c'est découplé. Parce que quand c'est trop couplé, ben, chaque changement, ben, il va s'étaler sur tout le code. Et puis ça va vous prendre des heures pour faire un changement. Et donc du coup, vous êtes parti avec des branches,
de plusieurs heures, voire plusieurs jours, plusieurs semaines. Et ce qui aide très fort, c'est avoir des tests qui sont extrêmement rapides, et ce qui rend alors un build extrêmement rapide. Donc, dans le monde XP, donc Extreme Programming, on s'est mis un target de préférence, le build il dure moins de 10 minutes. Encore mieux, c'est moins de 5 minutes. Mais bon, le plus on réduit, le mieux ça vaut, parce que ça vous permet d'exécuter. Ça permet à chaque membre de l'équipe d'exécuter le build avant de committer et de pousser vers le repo central. Parce que c'est un des prérequis quand même. Hein. C'est que avant de pousser des changements, c'est d'exécuter tous les tests. Ok, donc si je me pose la question, parce que nous, donc, on travaille avec un data warehouse, la solution SaaS. On travaille avec des packages, et donc un petit peu, c'est avec le team management, donc en développement, donc quand on bloque un job, on travaille dessus. Donc personne ne peut collaborer dessus, donc jusqu'à l'avoir libéré avec un check-in. Donc du coup, donc système de packaging, c'est un petit peu dur de pratiquer donc cette solution. Tout à fait. Et surtout même au niveau de versioning aussi. Donc je suis en train, donc j'avais commencé à tester une solution de versioning que quelques personnes utilisent pour l'instant, il n'est pas généralisé. Et ça rend encore l'exercice plus difficile. Oui, alors je compatis. Effectivement, c'est un gros problème avec des solutions fermées qui ont leur propre environnement de développement. C'est pénible de parvenir à obtenir l'intégration continue et puis d'étendre ça vers la livraison continue. C'est extrêmement pénible. Et c'est pour ça que le choix des outils est extrêmement important. Et un des critères dans les choix des outils, c'est que il doit y avoir la possibilité de versionner le code dans un système tierce. Mais bon, voilà. Souvent, les équipes n'ont pas ce choix. Malheureusement, c'est poussé par d'autres gens dans l'organisation sur les équipes et c'est pénible. Merci. Stop, j'ai fini. C'est bon pour toi, Mohamed ? Ouais. Ouais, tu peux couper ta caméra et ton micro. Entre-temps, la question de Mohamed ressemblait fort à celle de Christophe. Et ça tombe bien, puisque Christophe disait ne pas trop savoir comment la formuler. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et là, maintenant, nous avons Emmanuel Cordonnier qui demande est-ce que du versionning interne ne peut pas suffire ? Est-ce que la question est suffisamment claire pour toi, Thierry, ou est-ce que je demande à Emmanuel de venir exprimer ? Donc, je suppose que ce que Emmanuel veut dire, c'est que du versionning au sein d'un outil qui propose aussi son environnement de développement. Bon, en gros, oui, ben, c'est déjà mieux, hein, du versionning interne. Le problème, c'est que il est très difficile d'intégrer des outils, hein, du style, voilà, on veut faire des builds automatisés, on veut exécuter des tests, souvent c'est plus compliqué. Il y a pas mal de littérature à ce sujet-là, il y a le livre Continuous Delivery qui touche le problème. Maintenant, dans un futur très proche, il y aura Infrastructure as Code, la seconde version qui va sortir et où KIF touche aussi le problème des outils fermés. Il touche aussi ce problème-là et il explique assez bien les problèmes qui viennent avec ça. Est-ce que ça répond à la question ? Je vais supposer que oui, j'ai vu la main d'Emmanuel se lever et s'abaisser, donc je suppose que tu es parti dans la bonne direction, Thierry. Quelqu'un d'autre a encore une question ?
vous la faire aux enchères à une fois, deux fois, trois fois à juger. Mais, Alors, si plus personne n'a de questions, ben, je voudrais vous demander quelques minutes de votre temps pour pouvoir faire le test dont les speakers suivants ont besoin. Donc, je vais vous autoriser tous les uns après les autres à utiliser votre micro. Et je vous demande simplement de ne rien faire de plus. Je n'ai pas besoin que vous veniez sur scène. J'ai juste besoin de voir si je peux autoriser 10, 20, 30 personnes à prendre le micro quand ils le souhaitent. Voilà, Mohamed qui revient. Tu as encore une question, Mohamed ? Juste une petite question par rapport à ce qu'on a parlé au versionnier. Et aussi, est-ce qu'il y a une bonne façon de versionner, d'utiliser les branches, les masters et tout ça ? Donc, est-ce qu'il y a un modèle qui marche beaucoup plus mieux que d'autres ? C'est un petit peu loin du sujet, mais en partie. Oui, bon, maintenant, moi je suis très biaisé. Hein. Mon approche est on n'utilise pas de branches parce que c'est juste trop complexe et ça apporte trop de problèmes. Par contre, je réalise très fort que dans certains contextes, il n'y a pas moyen de faire autrement parce qu'il y a juste un manque de tests automatisés ou que les tests automatisés ne couvrent pas assez bien les parties critiques de l'application. Voilà. C'est très lié au contexte. Maintenant, bon, moi, je suis un grand défenseur du développement, du Trunk-based development. Mais bon, là, pour l'instant, avec la fintech avec qui je travaille, ben, on utilise des branches parce que le code a été développé au début par quelqu'un qui n'écrivait pas des tests. Et voilà, c'est la situation. Un jour, j'espère qu'on arrivera à arriver à mieux. Mohamed, j'ai un petit témoignage par rapport à ça. La première fois que j'ai vu Thierry, c'était à l'Agile Tour 2018, où justement, moi qui avais fait du feature branching pendant un moment et je trouvais ça très confortable, j'ai été voir la présentation de Thierry qui expliquait pourquoi c'était le diable, hein, grosso modo en français, c'est ce que disait le titre. Thierry, si je me souviens bien, ta présentation est disponible en ligne. Moi, ce que je t'inviterais à faire ou à ceux qui sont intéressés par la question, c'est pas de se dire chouette, demain j'arrête le feature branching, c'est d'aller voir la présentation de Thierry et d'écouter les arguments qui expliquent pourquoi il faut s'en méfier. Et le simple fait de savoir de quoi il faut se méfier rendra peut-être déjà le feature branching moins dangereux ou on aura moins conscience des problèmes que ça peut avoir. Et donc, je vous invite vraiment à aller voir sa présentation parce que moi, je l'ai trouvée bluffante. Voilà. Merci pour l'info. On essaiera de trouver les liens et de les partager. Thierry, si tu me l'envoies, je m'arrangerai pour que les participants l'aient dans la suite. D'accord, merci. Je coupe. Tu peux couper ta caméra et ton micro. Je ne vais pas t'enlever le droit de monter sur scène puisque ça fait partie du petit test. Donc, à moins qu'il y ait entre-temps une question qui soit sortie suite à ce que Mohamed vient de dire ou à ce que je viens de partager. Je propose de prendre les 5 minutes qui restent pour vous donner le droit à tous de parler. Je vois une dernière chose. Voilà, Thierry a déjà mis le lien. C'est Pierre qui a trouvé le lien de Thierry et qui vient de vous le partager dans le chat général. Bien, alors on y va les uns après les autres. Je vais vous inviter ou en tout cas vous autoriser à monter sur la scène. Et voilà, je voudrais savoir si j'arrive à allumer tous vos petits bonshommes pour qu'ils deviennent verts et qu'on puisse faire l'atelier de ce soir. On est proche du seuil critique. Hello Eric. Alexandre en profite pour venir sur scène, c'est très bien. Et j'en profite aussi. N'hésitez pas à juste allumer votre caméra. Je voudrais savoir si on a le droit d'être plus que 6 ou plus que 8. Ça n'est pas très très clair pour moi. On a une pop-up au milieu de l'écran et qui reste là et qui cache ce que vous présentez derrière.
Donc, si on ne prend pas ton invitation, on n'est pas très bien mis pour voir ce que les gens font derrière. Ok. Par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'on pourrait être beaucoup plus nombreux que ce que j'avais lu comme limitation à monter sur scène, qui n'est finalement qu'une bonne décision. Donc, là où j'en suis, alors, ce que j'aurais besoin de tester avec vous, c'est de... Et maintenant, est-ce que vous pouvez librement votre caméra et votre micro? Et il me reste Ralph, à qui je n'ai pas encore donné le droit. Ralph, je voudrais tester quelque chose avec toi. Est-ce que tu es capable d'accepter le droit de monter sur scène que je vais te donner, mais sans monter sur scène? Est-ce que dans le pop-up que tu reçois, tu vois un choix clair de « Ok, j'ai compris que je peux venir quand je veux, mais je ne veux pas venir maintenant. » D'accord. Voilà, je te donne le droit. Avec ou sans caméra dans le pop-up que tu nous as envoyé. D'accord. Parce que moi, je ne le vois pas, ce pop-up, évidemment. Donc là, je vois que Ralph a le droit et je ne l'ai pas vu apparaître à un moment donné. Donc, il semblerait que ce soit possible. Et Ralph, est-ce que maintenant, tu peux monter sur la scène pour m'expliquer ce que tu as fait? Parce que ceux qui seront là ce soir vont avoir besoin de cette fonctionnalité. Donc, autant le savoir. Tu m'entends? Oui, je comprends. Oui, je t'entends. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que je reçois un pop-up qui dit « Join with or without video ». OK. Et donc, je vois ça, en fait. Donc, je vais accepter une des deux options, en fait. OK. Et là, j'ai accepté sans vidéo. Comment? Cliquer sur without, c'est ça? Without pour avoir le test différent. Donc, en fait, tu as la fenêtre qui apparaît comme ça. OK. Il faut cliquer. Donc, il faut instruire de dire de ne pas cliquer ni sur join with or without. Mais non, ou alors tu fais l'inverse. Tu dis à tout le monde de cliquer et après, on mute notre caméra et notre micro et on garde l'option. Tu vois, je peux entrer et repartir. Ouais, mais l'idée de ce soir, ça va être que la scène soit dégagée et qu'on décide de venir que quand on a quelque chose à dire. Donc, oui, mais la scène, ce que moi je vois sur mon écran, c'est une scène dégagée avec que les gens qui ont choisi de garder soit leur micro, soit leur caméra dégagée. Et donc, ici, si je me retire de la conversation, tu ne me vois plus, j'arrête d'embêter tout le monde, mais si j'ai quelque chose à dire, j'ai qu'à cliquer, je peux rentrer quand je veux, je n'ai plus la pop-up. Donc, si tu invites tout le monde au début... Voilà, c'est exactement ça la proposition. Mais là, par contre, je te vois encore. Enfin, je vois ton micro. Oui, c'est parce que j'ai mon micro. Bah, attends, je vais le couper. Ton micro est toujours allumé. OK. Ouais. C'est vraiment ça l'idée de ce soir, c'est de donner le droit à tout le monde de monter et de le garder pendant toute la session. Et ce sera à vous de juger si c'est pertinent pour vous de monter à ce moment-là sur scène ou pas. Oui, et voilà. Je confirme bien la conclusion d'Emmanuel. En effet, si on coupe sa caméra et son micro, on descend de la scène et dès qu'on rallume soit la caméra, soit le micro, on remonte sur scène. Ok, mais il n'y a pas moyen de le faire sans avoir allumé au moins une fois la caméra et le micro. Non. Oui, il faudra au moins au départ dire je viens sur scène, j'accepte de venir sur scène quand il y a la pop-up. Et donc, tu invites tout le monde au début, on clique tous sur join sans la caméra, puis on mute notre micro, on redescend instantanément de la scène et on peut revenir quand on veut. Okay. C'est pas très lourd techniquement. Ok, c'est ça. Donc il faut dire je ne veux pas la caméra et dès que c'est fait, on dit et on coupe le micro à ce moment-là. Et comme ça, on est en mode silencieux mais prêt à bondir. Très bien, écoutez, je vous remercie. Alors entre-temps, je vois que dans les questions, il y en a eu, il y avait le versionning, ça c'était fini. Et pas de pop-up reçu. Effectivement, il y a une ou deux personnes chez qui je n'ai pas eu le temps. Ah non, mais Françoise. Ah non, c'est François Francard qui me dit ça. Est-ce que François a reçu mon message? A priori, oui, je l'avais autorisé. Donc voilà. On sait que de temps en temps, dans Rémo, il y a des comportements auxquels on s'attend, mais qui ne fonctionnent pas comme on peut. Ça dure en général pas longtemps. Donc voilà, en ce qui me concerne, merci pour le petit test que vous m'avez permis de faire. J'espère en retrouver un certain nombre d'entre vous. J'espère vous retrouver tous ce soir. Oui, Emmanuel. Pour info, le fait d'avoir été invité m'a privé de l'option lever la main. Je ne la vois plus. Effectivement, puisque tu as une autre manière tout à fait. De le parler. Mais je veux dire, tu ne peux plus voter en demandant aux gens de lever la main. Oui, très bien. Très bien. Ça va. Merci beaucoup pour le feedback, Emmanuel. Et merci à tous pour le test. Ah, je vois que la question-réponse s'allume encore un peu. Alors, où peut-on faire du feedback sur la session? C'est une bonne question, Christophe. J'ai vu passer des messages de mes collègues à propos
du système de feedback qu'on a mis en place qui semble avoir un peu de plomb dans l'aile. Donc, on va chercher à réparer ça et à vous donner par la suite un petit mot pour vous demander où on peut faire ça. Mais je n'ai pas la réponse à ta question pour le moment. D'autres questions ? C'est votre dernier mot ? Très bien. Ben donc, vous le savez, on est dans un environnement de conférence. La journée agile, c'est aussi des discussions de networking. Donc, bien sûr, si vous avez une réunion qui démarre à 11h, vous pouvez y aller. Mais vous avez aussi l'opportunité de rester encore pendant une heure dans l'événement Rémo de ce matin, aux tables, dès que j'aurai coupé la présentation. Moi, je resterai quelques minutes aussi. Christophe, c'est peut-être une occasion pour toi de te mettre à une table avec moi et de déjà me donner une idée de feedback. Si on ne remet pas les choses en place suffisamment vite, ça me servira peut-être pour les ateliers de ce soir et de demain matin. Donc, si tu as encore quelques minutes, je suis preneur à une table dans Rémo. Voilà, je ne vois pas d'autres questions qui apparaissent. Donc, merci à tous. J'espère encore vous voir nombreux pendant la suite de cette semaine aux différents ateliers ou aux différentes conférences qui sont encore proposées. Thierry, un mot pour la fin ? Non, forcément. Non, pas bien. Merci d'être présent. J'arrête les choses ici et j'arrête la présentation ici. À bientôt tout le monde.